fromage, à poil provencher, pionnier, défricheur, coureur des bois, peintre, écrivain, historien de la Côte-Nord. Prix Monseigneur Labrie, remis par la Société nationale des Québécois, Côte-Nord. La vie des bois pour moi, là. Ah! Ça donne que je l'aimais vrai, vrai. C'est tellement vivant que je suis bien simple. J'oublie que je suis à Montréal, moi. Jamais de la vie. Quand je descends dans mon. Ma femme dit que je descends dans mon antre. Mais quand j'arrive dans mon antre, j'oublie le restant du monde. J'oublie de vieillir, ma foi du bon Dieu. J'aime assez ça, que, avec mes pinceaux puis tous ces dessins-là que j'ai. Mais oh, je pense bien que mes fils, je sais pas ce qu'ils feront avec ce qui me restera d'aquarelle, parce que ben ça, à ce moment-là, je serai dans une place où je sais qu'il n'aura à faire de l'aquarelle, probablement. Ah oui, justement là, là aux fourches de la Manicouagan. Hein. J'avais amené ma femme. C'était beau. Les Indiens étaient campés juste au pied des deux boules. Ça sentait le sapin. Quand on est entré dans le cabanage, là, une senteur qui nous prend. Une senteur, j'appelais ça une senteur sensuelle. C'est ça, on vient transporter. Moi, tout de même, je l'étais. Et puis, ça sentait le boucané. J'aimais ça. Je l'ai senti à distance. Quand je suis arrivé dans le sentier, ma femme m'a dit, le feu de forêt est pris en quelque part, ça sent drôle. J'ai dit, non, non, c'est pas ça, c'est le campement indien, on arrive là. C'est la santé du wigwam, la fumée du petit poêle de tôle, là. Tu vas voir tantôt, on va voir nos Indiens, nos montagnards, là. Ça n'a pas manqué. C'était grand Joseph des Terres qui était campé, là. Avec Sylvestre Capo. On les a rencontrés, je connaissais le bonhomme. Le grand Joseph, c'était un grand montagnard. Il était toujours joyeux, t'sais. Quand je descendais de la rivière Tournestoupe de 250-300 000 au nord, avec mes chiens. Et puis quand on est arrivé aux fourches de la Manicouagan, il y avait Joe Miller qui avait un poste de traite, là. Tout le monde arrêtait là. Mais quand on arrêtait là, puis que le printemps, ça dégelait durant le jour, il fallait nécessairement marcher de nuit. Alors on commençait à marcher vers 2 heures le matin, jusqu'au petit jour. Jusqu'à vers 10 heures l'après-midi, dans l'avant-midi, on était bon. Ça gelait sur la rivière Manicouagan. Mais je te dis qu'au clair de lune, quand on passait dans la rangée de montagnes et puis de gros caps de 16, 1800 pieds de haut, là, oh, que c'était étrange de passer là la nuit au clair de la lune, avec le crissement des lys sur la croûte là, qui était gelée, les chiens qui s'en allaient. Comprends-tu? Puis nous autres, là, des fois, moi, le sommeil me prenait malgré moi.
C'est vrai que j'avais dormi dans l'après-midi, mais qu'importe, tu sais, à 3-4 heures du matin, là, assis sur ta slée, puis t'entends juste ça, les slées, les chiens. Et à un moment donné, tu cognais un clou. Si t'étais pas attaché le moindrement, après, je m'attachais toujours, moi, pour pas qu'ils me laissent. Ils auraient bien pu me laisser, puis j'aurais été obligé de marcher 45 000, non, avant de les rejoindre, peut-être. Des chiens, on sait jamais. Ils me connaissaient, par exemple, on était bons amis. Je les battais rarement. Oh non. Je m'en faisais des amis, tu sais. Il y a des fois qu'ils m'ont presque sauvé la vie, mes chiens. Mais quand j'en rencontrais d'autres, c'était des ennemis. C'était des bâtards, il n'y a plus fini. Je me rappelle, moi, qu'à Franklin, pour venir où je demeurais dans le temps avant Bécomo, de 30 mois, j'ai commencé à explorer, vois-tu, sur la côte nord en 29. 30, 31, j'ai établi ma famille sur la côte nord. Bégomo était pas en bout de bout. Les travaux n'étaient pas commencés. Léon Gagnon, vous avez travaillé avec Paul Provencher. Oui, j'ai commencé avec Paul Provencher plus précisément le 3 juin 1936, à mes débuts pour la compagnie de papier QNS, qui s'appelait à cette époque l'Ontario Paper. La première expérience que j'ai eue de la forêt avec Paul Provencher. Puis Wapistan. Elle était mon premier compagnon. Mon premier journée de travail, on m'avait donné comme compagnon Wapistan. Puis que je n'ai jamais oublié d'ailleurs. Parce que tous les secrets de la forêt, je les ai appris de lui. D'ailleurs, M. Provencher en sait quelque chose, parce que ça a été votre compagnon pendant de nombreuses années. Ah, ben moi, j'ai commencé en 29. Ouais. Georges Boisvert me l'avait envoyé, puis il avait dit à Wapistan, tu vas rencontrer un gars qui a 6 pieds et 3 pouces. T'as besoin de te tenir comme il faut, parce qu'il est coton. T'aurais dû voir du Wapistan quand il a frappé à mon petit camp dans la ville de, où c'est que j'étais campé, là. Il cherchait partout dans le camp où était le géant. Ouais. J'ai dit, qu'est-ce que tu cherches, Wapistan? Wapistan. Je le considérais un peu comme mon père. Parce que dès la première année, il m'a montré tous les trucs du métier. Puis par la suite, il nous accompagnait dans nos explorations. Et même, il avait oublié son âge. Lorsqu'on commença à s'inquiéter pour sa retraite, on a recherché pendant 10 mois pour trouver son baptistère. Et il avait tout près de 72 ans. Mais il parcourait encore la forêt en raquette et il suivait les autres compagnons. J'imaginais que c'était tout un bonhomme. Il est décédé il y a 3 ou 4 ans, à 92 ans. Puis, par un effet du hasard, j'étais monté avec les vieux de l'équipe le voir au salon mortuaire à Pointe-le-Bel. On m'a demandé, il manquait 2 porteurs. On m'a demandé, et Roméo de la Roseby était avec moi aussi, de porter. Vous imaginez que j'étais un peu honoré de porter mon vieil ami en terre. Et tous les souvenirs depuis le début ont repassé pendant le service surtout. De Wapistan, parce qu'il m'appelait toujours mon petit garçon. C'était un homme doux, pas venteur du tout. Même la première fois que j'avais... je devais me rendre à un lac, le monsieur Provencher s'en souvient, le lac Lynch. Je portageais le canot pour la première fois. Et je trouvais le portage terriblement long. Je demandais à Wapistan, est-ce que c'est long? Il disait, je ne sais pas. Puis, en arrivant sur le lac, j'étais à l'aviron en avant du canot. Lui, il me conduisait. Puis, près de la petite île, il dit, petit garçon, il dit, j'ai déjà capturé 2 loutres. Je dis, comme ça, tu es aujourd'hui ici. Mais il ne voulait pas me dire qu'il avait déjà été, de peur que je trouve le chemin trop long. C'était vraiment un chic type. Et, dans son genre, un diplomate. Je n'ai jamais nous décourager le fort qu'on avait à faire. Il a montré nos traces dans la mousse, les branches cassées, c'est là qu'il m'a donné des trucs pour quand même me retrouver en forêt.
Ah, moi, ouais, Piston, pour moi, ça, c'était, comme je te disais tout à l'heure, ça, c'était quasiment notre ange gardien, ce bonhomme-là. Vous imaginez que j'étais un peu honoré de porter mon vieil ami en terre. Et tous les souvenirs, depuis le début, ont repassé pendant le service, surtout. De Wapistan, parce qu'il m'appelait toujours mon petit garçon. C'est quoi, au juste, le métier que vous avez pratiqué pendant peut-être 30 ou 40 ans dans la forêt laurentienne? C'est le métier d'ingénieur forestier, et puis de la... ni plus ni moins que la cartographie du terrain, l'arpentage. Cartographie, puis trouver les limites à bois, puis la possibilité forestière de nos forêts. Alors, j'en ai trouvé, c'est correct. À la façon indienne, à courir, bon, indienne, à la raquette, et puis avec mes chiens, et puis ainsi de suite, comprends-tu, pendant des années. Ben, j'ai réussi à faire une cartographie qui a incité le millionnaire, puis l'archimillionnaire McCormick, et qui possédait le Chicago Tribune puis le New York Daily News, d'investir à un moment donné, j'ai le coin de la table, hein, 90 millions pour commencer la construction d'écluses puis de moulins sur la Côte-Nord. T'sais. Ça a été le grand type qui a développé la Côte-Nord, McCormick. Commencé en 1914, la Première Guerre. Alors, ils ont exploité d'abord Franklin, Shelter Bay, Manicouagan, ben, c'était sauvage. Des chasseurs de loups marins qui allaient dans B, ils appellent B Como. Ça a été nommé d'après Napoléon Como. Aujourd'hui, en 1978, finalement, comment vous percevez ça, le fait que, par exemple, ça a été une compagnie américaine qui se soit emparée presque d'une partie très importante du territoire de la Côte-Nord pour l'exploiter, plutôt que d'une compagnie québécoise? J'ai l'impression que ces gens-là sont larges d'esprit. Et puis qui... Nous autres, en tout cas, pour ces deux compagnies-là, moi, j'ai jamais eu un mot à dire au point de vue qu'ils ont traité leurs employés. On a été favorisés. Quand Fernand Boutin, qui est ingénieur forestier, qui était le sous-ministre des Terres et Forêts, après ça, m'a dit une bonne journée, il dit, tu sais, il dit... mon Paul, dit, tu as été employé par une compagnie qui est à peu près la meilleure au Canada. Alors, c'est pour ça que je me suis toujours bien entendu. Puis pour moi, il y a d'autres compagnies qui ont été, qui n'ont pas été aussi généreuses que la nôtre pour ses employés. On n'a pas de difficulté. Pour moi, toujours, j'ai jamais eu de difficulté avec ces gens-là. De mes meilleurs amis sont des Anglos, en somme. Combien de fois qu'ils m'ont invité dans l'Ontario puis dans les provinces anglaises. Mon Dieu, mais dans la province de Québec, ça tardait. Pour quelle raison? S'il y en avait un des leurs et qui était capable de se pousser, ben, pour pas essayer de le mettre en évidence. Ben, moi, je sais pas si je... J'aurais peut-être pas aimé ça, de me tirer de mon milieu que je trouvais, moi... parfait au point de vue liberté, que de me trouver enchaîné avec un lot de after dinner speak tout le temps, non. Mais le fait que vous ayez été un Québécois, par exemple, est-ce que ça vous a empêché de gravir des échelons dans une carrière d'ingénieur forestier pour une compagnie américaine? Dans le temps, probablement. Il était question de... Je dirais, c'est peut-être pas de la discrimination, mais seulement on aurait dit que moi, comme forestier, c'était pas mes ambitions. Les autres, peut-être, qui auraient voulu gérer une exploitation, est-ce qu'il y avait la capacité de le faire? En sens que l'école forestière, quand elle a commencé, c'est rien que de 1910. J'ai gradué en 25, moi. Est-ce qu'on avait une maîtrise des affaires? Au point de vue forestier. C'est-à-dire que, moi, dans mon idée, tout de même, je ne sais pas si elle est partagée avec tous les gens, mais moi, j'ai l'impression que la formation technique au point de vue de notre affaire, c'est correct.
arpentage, entomologie, botanique, dendrologie, ensemble, toutes les angies qu'on veut. Est-ce que le moyen Green Bill, la pièce, au point de vue affaires, on l'avait dans notre formation? J'y tenais pas. J'étais détaché des biens de la terre, moi. En ce sens que quand j'arrivais dans ce pays de liberté-là, puis de faire ce que je voulais faire si j'avais pas d'heure, ça, pour moi, c'est le cadeau que l'humanité devrait avoir. On est attaché, justement, au point de vue production, qu'il faut que ça paye ou bien. Tandis que l'ingénieur forestier qui court le bois pour trouver des limites, ben mon Dieu, ils s'arrangeront avec le côté monétaire. Moi, je vivais une vie et qui me remplissait mon idéal. C'est ça. Mais tous les forestiers ne sont pas de même. T'as entendu? Moi, j'ai été spécial parce que de par mes ancêtres, je l'avais dans le sang. Comprends-tu? Quand Sébastien Provencher est arrivé ici en 1663, c'était pour courir le bois. Il a commencé à semer des patates, je comprends, quand il est arrivé au Canada. Seulement que quand il est arrivé avec des flèches qui sont rentrées au-dessus de sa tête dans les arabes, tu sais, les patates, il m'a commencé par apprendre à tirer moi aussi, puis c'est lui qui me tire, ben coudonc, je me laisserai pas faire. Il avait des cheveux plus que moi. J'ai pas envie que ça lève, ça, cette affaire-là. Les barbiers, dans ce temps-là, ils faisaient pas des coupes de cheveux comme aujourd'hui, tu sais. Alors, Sébastien, je l'avais un peu dans le sang, moi aussi, tu sais. C'était de courir le bois, puis d'être libre, puis de vivre avec la beauté et puis la dureté de la Manicouagan. J'aimerais ça que vous me parliez brièvement de ce que c'était qu'un parti, quand vous partiez avec une équipe pour vous en alliez en forêt. J'avais grand terrain à parcourir. J'étais le chef pour déterminer les endroits où on devait se mouvoir en forêt. Maintenant, au point de vue technique, de dire tirer les lignes, puis faire l'inventaire forestier. Faire les lignes de base, c'était ça, mon ouvrage. La minute que la ligne de base était tirée, mes chefs de parti, je les divisais en groupes, c'était ça qui était un parti. Sur la rivière aux Anglais, tu vas aller sur la rivière aux Rochers, puis tu vas aller sur la rivière Tulnostook. Tu pars avec 12 hommes, toi, tu vas partir avec 5 hommes, pas une grosse rivière, celle-là. Et puis moi, je m'en vais vous vérifier dans votre ouvrage de telle façon qu'il faut que l'ouvrage se fasse pour arriver avec les estimés puis des formules que j'employais pour déterminer la façon de couper le bois puis la façon de sortir économiquement. Ça, c'est mon ouvrage. Vous étiez le maître d'œuvre, finalement, c'est ça. De l'exploitation. Absolument. Je dirigeais mon orchestre. Ça y est. J'ai accompagné M. Provencher quelques jours au départ des premiers portages de Manicouagan avec Sylvestre Capot. Avec Sylvestre, ça. Sylvestre. Sylvestre, puis, extraordinaire, Sylvestre. J'ai assisté aussi à votre projection que vous aviez demandé de venir au bureau pour lui montrer des prises de vue. Vous vous souvenez des exclamations, des cris. Son petit garçon. Oui. Mais... Qu'est-ce qui s'était passé dans la salle? L'Indien était là? Oui, l'Indien était là, la projection. Puis, aussitôt qu'il voyait sa femme, c'est mon femme, puis mon petit garçon. Puis, il aimait bien son petit garçon, mais il aimait bien Paul Provencher aussi. Je ne sais pas si je peux le faire pencher. Il dit jamais assez pour le provencher. Il dit couche avec ma femme, fais-moi un autre petit carton. Ça vous couperait ce bout-là. Thank you.
La collection de Paul Provencher contient au-delà de 10 000 photographies illustrant la vie quotidienne des montagnais, la vie animale en forêt, les débuts de Baie-Comeau et tout ce qui se rapporte à la foresterie. Ingénieur forestier, diplômé de l'Université Laval à Québec, Paul Provencher va explorer scientifiquement la forêt boréale. Depuis 1927 et pendant une trentaine d'années, pour le compte de la compagnie Québec North Shore, il se fera arpenteur, cartographe, botaniste, biologiste. Toujours à l'affût de la nouveauté technologique, Provencher fait figure de précurseur. Il sera un des premiers, par exemple, à utiliser la photographie aérienne pour inventorier la forêt. Ses méthodes ont fait école. Il s'intéressera également à la vie des montagnais. En 1935, après une rencontre déterminante avec le folkloriste Marius Barbeau, il se procure une ciné-caméra 16 mm. Le procédé couleur vient de faire son apparition. Précurseur là aussi, Provencher tournera en Kodachrome des documents d'une grande rigueur d'observation qui constituent aujourd'hui des témoignages d'une valeur inestimable. Son esprit scientifique, sa curiosité toujours en éveil, ses qualités d'observateur placent Paul Provencher à l'avant-garde du cinéma dit documentaire. Quelle technique que vous employiez, vous, pour filmer? Ben, au commencement, naturellement, c'était le trépied. Trépied, moi, dans le bois, le trépied, à traîner ça dans des charges de portage, dans un canot. Quand les aéroplanes sont arrivés, un trépied qui rentre dans un aéroplane avec tout le bagage, c'est pas pliant beaucoup. Il faut que ça soit solide, faire la photographie. J'ai dit à un de mes hommes, j'ai dit, le trépied, aimes-tu ça le portager? Non, il dit, le longtemps que j'y pense, il y en avait un qui était à droite, couteau croche. Il dit, Monsieur Provencher, je m'en vais vous faire quelque chose qui va remplacer votre trépied. Vous allez voir, vous allez avoir du plaisir. Il dit, je m'en vais vous faire comme une crosse de carabine. Et puis, ça va être monté, ça, comme une mitraillette. Il va y avoir un petit bras là, qui va se tendre sur le bras en avant. On va installer votre Bellenhauer là-dessus. Et puis avec un petit... une espèce de petit bras en métal là, qui va peser sur le piton pour le faire marcher. Alors, j'ai fait du film comme ça, dans des scènes. Avec la minute que j'ai eu la mitraillette pour appuyer ça sur mon épaule, ben, j'ai abandonné le trépied complètement. Je n'avais plus besoin. C'était pratique. Ma chasse avec mon carquois, mes flèches, puis mon Bellenhauer au côté de moi. Je voyais un animal, quelque chose un peu à distance. Je le ramenais tout de suite à la posture de mon œil et puis prêt à filmer. Il n'y avait pas de danger que je retourne au trépied jamais de la vie. C'est la plus belle invention que ce gars-là m'a faite, là. J'ai dû tourner pour mes causeries 8 grands films. Le Montagnais, c'est en 2 rouleaux, ça dure 1h03. Les autres durent... celui de la ville de Baie-Comeau, ses débuts, puis toute cette affaire-là. L'écluse McCormick, puis les écluses. Ça dure encore 1 autre heure. Ça me prenait des grands rouleaux de 1600 pieds, vous savez, remplis au coton. Après ça, des films de petites chasses, là. J'en ai tourné 8. Les insectes, des photographies sur les insectes.
L'homme et les insectes dans le bois, qu'est-ce que ça veut dire? Après ça, avec ma famille, les grands films de ma famille. Comme forestier, la compagnie m'a demandé de faire de la photographie des quatre saisons dans leurs différentes limites. Dans le but de promouvoir la conservation de la forêt. Ces compagnies attachent une importance vitale à la préservation des ressources forestières canadiennes et demandent sincèrement à tous les Canadiens de s'unir afin de défendre ce précieux héritage. Tourné par Paul Provencher, ingénieur forestier. C'était dans le temps où l'Orignal s'accouple. C'était vers la fin de septembre. J'ai dit à ma femme, si tu veux, on va monter le long de la rivière, là, une petite rivière au petit lac Lemay pour aller au grand lac, qui avait à peu près 6000 de long. C'était assez beau pour canoter là-dedans. Hein. C'était une petite rivière qui avait à peu près 7500 pieds de large, des fois 200 pieds. Naturellement, en montant, j'ai dit à ma femme, fais attention, regarde en avant, il y a un castor qui traverse la rivière. C'est certainement une famille de castors non loin d'ici. Mais comme de fait, on est approché, puis le castor n'a jamais voulu s'en aller. On l'a approché jusqu'à 6 pieds, puis à un moment donné, clac! Un coup de queue sur l'eau. L'eau nous a tout abîmés. Nous autres, ma femme a dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça peut faire, un castor? C'est la première fois qu'elle voyait ça. Ben, j'ai dit, c'est pas fini. Peut-être qu'il a plongé pour ne pas revenir, mais non. On a continué. Il est revenu, mais seulement on l'a évité finalement, mais on a continué. Un peu plus loin, j'entends. J'ai dit à ma femme, elle dit, qu'est-ce que c'est ça? Ben, j'ai dit, il y a un boc orignal aux côtés de nous autres. C'est le cri d'un boc orignal, ça. En ce temps ici de l'année, là. Il avertit l'autre gars ou le boc qui passe là, c'est son terrain. Il est en amour et puis ça, c'est ça. Alors, on l'a vu, il est rentré dans le bord du bois. On a continué. Quand on est revenu dans l'après-midi, vis-à-vis de cet endroit-là, il y avait des sentiers de caribous aussi qui rentraient dans les bois. J'ai dit à ma femme, si tu veux, on va aller prendre une petite marche dans le bois. J'avais mon appareil photographique avec moi. Et puis, mon arc, naturellement, l'est toujours. On n'était pas rendu à 150 pieds dans le sentier que je vois une perdrix de savane qui est en fret prendre un bain de sable, comme les poules, tu sais, ouais. Comme les petits moineaux dans le sable. Alors, je m'installe avec mon caméra pour l'approcher, mais j'ai trop approché un peu. Elle s'est envolée et est allée s'échouer dans une taldone avec un fracas, les perdrix, tu sais ce que ça fait. Au même moment, le boc orignal qui nous avait fait peur au commencement du voyage, il était couché à peu près à 50 pieds de nous autres. On ne l'a pas vu en s'en allant dans le sentier. Mais quand il a entendu le fracas, il s'est imaginé que c'était probablement un autre mâle qui s'en venait dans les environs pour avoir sa femelle, il n'y a pas d'erreur. Il se lève en courant, puis il fracasse tout sur son passage à 50 pieds de nous autres. On voit passer cet animal-là, qui a 7 pieds d'eau, un panache qui est grand comme ça. Ah ben, bonjour, ma femme, elle court pour un épinette, puis moi aussi. J'étais pas trop brave, tu comprends, de voir une pareille affaire qui nous surprend même. Il est rentré dans Taldone comme s'il n'y avait rien eu. Ah ben, j'ai dit à ma femme, j'y ai fait un signe aussitôt qu'il a disparu un peu. J'ai dit, canot, ma belle, j'ai dit, c'est là qu'on va, puis vite. Parce que là, s'il revient, il va nous charger, il n'y a pas d'erreur, puis c'est dangereux, allons-y. Ben, tu peux toi t'imaginer qu'on s'est poussé. On se rend à la tente. Le soir, vers 10 heures, une belle soirée. J'entends les outardes qui descendaient, commençaient à descendre tranquillement. Bien du nord. Sud, c'est ça. Ben oui.
les entends crier en haut, je les voyais pas. En haut, en haut, en haut, en haut. Bon, je crie pas comme un outarde tout à fait. En tout cas, je prends mon cornet d'écorche, je dis, je vais améliorer mon cri avec ma femme. En haut, en haut. Bon, j'ai dit, j'ai manqué mon coup, certains ne me répondront jamais. En tout cas, j'ai dit, tu sais, qu'est-ce qui me répond à peu près 5 minutes après, l'autre côté de la baie? Moi? 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 Ah ben, mon petit, j'ai dit, Jean, entends-tu le bas? L'entends-tu? On s'est couché. À 6 heures le lendemain matin. Je me lève pour aller chercher de l'eau au lac, en caleçon, naturellement. Et puis, il avait fait une espèce de petite gelée. Septembre, à la fin de septembre, dans le nord, c'est pas chaud. Puis, nu-pied, moi. Vieille, j'ai dit, c'est pas chaud pour les orteils. Je vais me dépêcher. Aussitôt que je reviens à la tente, puis je mets la chaudière d'eau sur le poêle. J'avais allumé le poêle pour le café. Ma femme a dit, as-tu entendu quelque chose? J'ai dit, entendu? Non, non, j'écoute. J'entends. Ah! 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 Ça allait assez vite. J'ai dit, bâtisse. Mon arc, au plus vite, je bande mon arc, je prends 3 flèches dans ma main. Et puis, j'ai dit, c'est le boc qui s'en vient, imagine-toi donc. J'ai dit, on l'a collé hier à soir, on l'a appelé. Crée pas, il vient. Il sait que la femelle est sur la pointe. Ça n'a pas pris de temps. Je sors en caleçon. J'oublie tellement de... En caleçon, ça baisse. Et puis là, je suis pris dans les pieds d'Angelé, là. Nu-pieds, puis avec mon arc, c'est correct. Puis je regarde où c'est qu'il peut être. Ça mène plus de tapage. J'y vois le nez. Au-dessus des ondes. Et puis le panache, t'avais un panache, c'est comme ça. Je dis pas un mot. Ma femme écoute dans la tente. Mais moi, je suis là, tout écartillé. Mes caleçons descendent, les maudits caleçons. C'est bien simple, j'étais en sorcier, j'ai dit s'il faut. Je suis pas très grand d'avance, tu peux t'imaginer. Mais à mesure que j'écartais, je rapetissais. Il a avancé, cet animal-là. Au lieu de s'en retourner, il vient sentir des écopeaux. J'avais fait des plaques sur des arbres pour aller à notre latrine. Il se baisse, il était à peu près à 53 pieds de moi, il était presque sur moi. Il était de côté. Ben, tu peux bien t'imaginer que ma flèche était prête. Et puis, genre, comme j'étais solide. Je lui étire ça, attends-tu? Je ne pouvais pas manquer mon coup à 50 pieds. Je connais l'anatomie de ces animaux-là, des chevaux puis des orignaux. Ça, le cœur, ça de gros, puis les poumons, ça de gros. Tu peux bien t'imaginer qu'à 50 pieds, on ne peut pas manquer ça. La flèche a fait un trait, zing. Elle a passé à travers les 2 poumons. Et puis, quand il a parti de là, il s'est en allé sur la grève, pas vite. Il n'est pas parti au grand galop, il n'a rien fracassé, il s'est en allé doucement. Il savait bien qu'il était mortellement blessé à travers les 2 poumons, puis le sang dans les poumons, il a fait 100 pieds. Il n'a pas opté pour se laisser aller à la nage. Oh non, il a décidé de prendre du côté de la forêt. Il est entré dans la forêt. Je l'ai laissé faire, j'ai dit, je sais qu'il est fini d'ailleurs. Pour quelle raison aller faire des mouvements-là qui peuvent le faire aller encore plus loin? C'est fort, un orignal. C'est vrai que c'est fort. Alors, je suis retourné à la tente. Ma femme a dit, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a dit, j'ai rien entendu. Elle a dit, ça n'a pas de bon sens. C'est une chasse qui est absolument silencieuse. Elle a dit, j'ai entendu une petite branche qui a craqué. Je savais, moi, que quand on laisse la flèche partir, c'était le bruit de la flèche que j'avais décochée. Je suis rentré dans la tente, puis il a dit, « Dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé, toujours? » Ben, j'ai dit, « Il est mort. »
fait ça, ces croquis-là, moi, tout de suite sur le terrain. Justement avec cette petite chose, mon appareil pour l'aquarelle qui est ici, comme tu vois, avec mes 16 couleurs dedans. Puis j'ai même mon petit pinceau. Et j'ai même aussi, dans ce petit affaire-là, quand je place de l'eau dedans, je suis prêt pour faire l'aquarelle. Puis quand on est à 400 ou 500 000 dans le Grand Nord, il n'est pas question de traîner avec nous autres beaucoup de bagages. Ça, dans nos poches, ça ne prend pas de place. Si je manque d'eau, ben mon Dieu, je crache dedans, puis il m'en reste encore assez pour faire une aquarelle. Les gens disaient, ton aquarelle est meilleure que ton huile. Oui, mais j'ai dit, elle n'a pas été faite à l'eau, celle-là. Il a fallu que je crache sur mon pinceau. Alors, c'est une peinture à la salive. Mais tout de même, ça m'amenait à découvrir des choses intéressantes. Ça prenait pas de temps. C'était ça qui était l'avantage. Une petite feuille de papier de même, comprends-tu, en aquarelle, 3-4 coups de pinceau, tu dis là. Alors, je pouvais en faire des aquarelles, moi, en partageant le long des portages, parce que je voyais quelque chose d'intéressant. Je faisais 3-4 coups de pinceau là-dessus, puis tout de suite, je l'avais à l'idée. Finalement, vous avez connu le Nord québécois quasiment comme un pays entièrement vierge, sauf peuplé avec des Amérindiens. Ah oui. Moi, quand je suis parti d'Anticosti, j'étais pas sous l'impression que j'étais pour être 3 ans plus tard sur la côte nord. Anticosti, c'est là où je me suis marié. Marié à une femme de Québec, une fille de Québec. Et puis, elle avait eu déjà, de par sa famille elle-même, du comté de Bellechasse, l'idée de la ferme, qu'est-ce que c'est que c'était, puis toutes ces choses-là, elle est allée à la pêche à la truite déjà, puis ainsi de suite. Puis, quand j'ai fait mes études, je l'ai rencontrée à Québec, à l'université. Et puis, quand elle est arrivée en 26, Ça faisait déjà 3 ans qu'on se courtisait, on sortait ensemble. Puis c'est ça que j'avais dit, Anticosti, ça serait beau. Anticosti, c'est un pays qui est étrange. Moi, je suis demandé par ma compagnie, comme forestier, d'aller faire des études de l'île d'Anticosti, sur l'arpentage aussi. Alors, rendu à Anticosti, je lui ai écrit, puis finalement, j'ai dit... l'inviter de venir faire un tour Anticosti, de voir qu'est-ce que c'est que c'était, l'histoire de l'île d'Anticosti, est venue. On s'est mariés. Ça n'a pas pris de temps. J'ai dit, c'est le temps. Aujourd'hui ou jamais, bonjour de la vie. J'ai dit, mais que les glaces prennent, la première chose, moi, savoir, moi, de perdre. T'as entendu, les glaces pris là, je t'ai pris pour tout l'hiver, sans s'écrire ni rien. Les avions, dans ce temps-là, en 26, ça ne marchait pas comme ça marche aujourd'hui. Alors, ça commençait de même. Le bois. C'était le bois. Puis quand j'ai réussi à amener mes enfants qui ont grandi un peu à l'âge de 10-12 ans, quand j'ai réussi à les amener en forêt pour prendre des vacances, ils ont aimé ça. Parce que je leur ai fait prendre des grosses truites. Puis ma femme aussi aimait ça. Elle était bien émerveillée quand elle avait une truite de 6 livres au bout de sa ligne. C'était pas facile.
Les petits poignets de femmes, là, fallait y aider en dernier de tout. Puis elle voulait pas. Non, je suis capable, moi. Je la sortirai. Mais on lui donnait des conseils. Elle les suivait. Parce que réellement, quand elle réussissait à rentrer ça dans l'épuisette, là, ben là, on lui donnait un coup de main pour sortir ça. Ben ça, ça me faisait plaisir. De voir que là, la mère de mes enfants avait eu du plaisir à prendre des truites monstres comme ça, des truites géantes, et puis aimer les paysages, puis le canot. Je les promenais en canot souvent. Puis quand mes enfants sont venus, ils aiment ça, la forêt. Ça devient que jusqu'à l'âge de 15 ans, oh, ils me suivaient partout. Puis... Il y en a un, entre autres, il y a Gaston, un de mes fils, qui était réellement entiché, lui, quand j'ai commencé à faire de la chasse à l'arc. Lui, c'était mon compagnon, ça, de nature. J'aimais ça aller avec lui. Apprendre à portager. Comment charger des paquets pour faire des portages. On avait souvent des portages, parce que quand j'y allais pour tout bon. Lorsque la compagnie avait son avion, puis que durant mes vacances, j'avais la chance d'avoir une journée de congé des pilotes, n'importe, je leur demandais si vous pouviez me laisser à 250 000 avec ma famille. Inquiétez-vous pas pour revenir, il n'en sera pas question, parce que je ne peux pas communiquer avec vous autres, à moins que vous veniez me voir. Mais seulement là, j'avais des ententes avec les montagnais. Je les connaissais. De par voie pistane. Puis les gars que j'avais connus, puis qui avaient des restants de provisions, ils en avaient profité quand je finissais mes explorations. J'étais ami. Alors je leur disais, vous êtes garde-feu en été, vous faites pas de chasse l'été, la fourrure n'est pas bonne. Puis que je leur disais, venez à telle journée, tel mois, je serai prêt à descendre, puis vous allez m'aider à descendre pour partager mes bagages. Et on sortait qu'on va y aller, ils me connaissaient bien. Il y en a même de ces gars-là qui avaient travaillé pour moi comme explorateur, comprends-tu? On disait que c'était des cruiseurs. Ben oui, ben cruiseurs. C'était le garde forestier qui mesurait les bois avec moi. Hein? Alors, ils nous aidaient en descendant. Alors, j'ai fait de ma famille. J'ai créé une intimité qui se voit seulement dans la nature ou à la guerre, probablement. Les amitiés de la forêt sont des amitiés qui restent jusqu'à la fin des siècles. C'est des amitiés qui sont solides. Les enfants apprennent à nous voir sous notre vrai jour, parce qu'il n'est pas question de dire de superflu là-bas en forêt. Là. Tout est un peu réglé. Il n'est pas question de dire « je m'en vais prendre trois fois de beurre » tandis que les autres n'en ont rien qu'une fois. C'est une école. C'est une école qui vaut la peine d'être vécue. Moi, en tous les cas, l'unité de ma famille, c'est là que ça s'est développé d'une façon intense. Te rappelles-tu des débuts de Bécomo, Hélène? Ah oui, la plage, les bleuets. Les mouches. Les maringouins. Les maringouins. Pas les mouches encore comme ça qu'on avait au lac Caribou. Ah, c'était des gigantesques. Le canot, ah oui. Puis à bord de ça, les plongeons. Le petit quai que j'avais construit au lac Caribou. Oui, Jacques et puis Gaston aussi. C'était des plonges que vous preniez. Là, des avec Moussette. Moussette et le crapaud. Moussette sacrée là aussi. Avec vous autres. T'étais battu avec un crapaud. Avec un crapaud. Ah oui, elle t'avait boxé un crapaud, c'était au lac Saint-Pierre, ça. Ah oui. Avec un moment, elle, c'était à Tournosto. Quand elle prenait ses grosses truites. Oui, oui. Elle ne voulait pas tellement avoir de conseils de la part des experts. Il y avait Ben Jones. Compte pas les trouettes. En tout cas, t'avais sorti une truite, en tout cas, qui était meilleure que n'importe quelle des autres qui était là. Oui,
Elle était pour pire. La première, là, celle-là. Elle avait comme 4-5 livres, 6 livres peut-être. Elle était plus que ça. 6 livres et demi. 6 livres et trois quarts. C'était un record de famille. Homologué. 6 livres et trois quarts, ça valait la peine qu'on lui donne des conseils. Elle est obligée de donner des conseils pour la... Pour la retirer de l'eau. Ah oui. Ah oui, pour la rentrer dans l'épuisette. Parce que j'étais trop émotionnée. C'est la première fois. Avec un mari forestier, la femme est souvent seule. Madame Provencher, est-ce que vous avez subi votre métier d'épouse? Non. Subi, ben non. Oh non, j'ai pas le caractère à subir. Non, du tout. On a toujours été des bons amis, puis le vrai couple, là, qui s'entend bien, puis qui vit une vie de partage. Hein? Ah, absolument. Absolument. Même s'il était absent, on n'a jamais perdu la communication. Jamais. Ah, on n'était pas toujours du même avis, hein, c'est sûr. Ça fait rien. On se communique, puis on s'explique, puis on se dit ce qu'on a à se dire. Puis après, terminé. On redevient. Mais ça, nous arrive pas souvent. Hein? Oh non, c'est des sautes d'humeur qui peuvent arriver suivant les circonstances. T'sais. Parce que mon mari, c'est un sanguin. Hein? Puis des fois, il va être plus vif, plus soupaulet que moi. Tandis que moi, je suis le type normand, là, vous savez, le type là, qui pense longtemps d'avance. Puis il pense à froid. Quand je suis choquée, ben, je suis choquée. Faut que j'explique mon affaire, puis en blanc et en noir. Puis après, c'est fini. Mais il faut aussi. C'est mieux que de garder une rancune, puis de se venger, puis de... Ça, c'est mauvais, ça. C'est ça qui amène le trouble dans une famille. La revanche. Puis de se piquer, puis de se... Ça. Non, on n'a jamais fait ça, non. Jamais, jamais, jamais. On se dit ce qu'on a à se dire, on s'explique. Terminé. Pour moi, c'est la seule façon d'agir aussi. Bien sûr. Ça sert à rien de se bouder. Ah non, pas contre ça. J'aime autant le dire tout de suite, c'est ça. Non, mais on a toujours gardé le respect de l'autre. On s'est jamais insulté, jamais. Même quand on différait d'opinion, on ne s'est jamais insulté, personnellement, jamais. On s'entendait, on s'expliquait. Et on faisait comprendre à l'autre que fallait qu'il partage. Et puis, c'est le seul moyen de vivre raisonnablement, puis élever sa famille dans la joie, puis un bonheur, finalement, un bonheur assez humain. Ouais, un bonheur assez humain, c'est ça, c'est le vrai mot. Pas d'erreur. Je l'ai réalisé, moi aussi, plusieurs fois. Je me dis, si j'avais continué à vouloir argumenter, vu que je suis violent de nature, je t'ai entendu, ça paraît. Ben, t'es pas violent. Non, non, c'est pas non, ça, non, mais non. T'es soupolet. Ouais, c'est vrai. Parce que t'es pas violent pour frapper personne. Ah non. Jamais. C'est une passée. Une passée de... d'aigreur, et puis... C'est le type sanguin qui fait ça. C'est ça. Alors, elle me le dit par la suite, c'est sanguin, c'est entendu que c'est normal chez toi de t'exprimer de même. Mais seulement, je le réalise après ça. Un type qui est sérieux, qui aime sa femme, ne peut pas faire autrement que dans une vie d'amour, que se le faire dire de temps en temps. Ça... Le type met de l'eau dans son vin. Il réalise. Après tout, on est assez âgé maintenant pour devenir un peu plus sage. Ben, t'as jamais été. Non. Bon, on s'accorde. Une fois par-ci, par-là. Bon, c'est des choses qui n'arrivent pas à tous les jours, ça. Ça met du piquant dans la vie. Oui. Moi, je prenais ça avec un grain de sel. Un peu de piquant.
comme l'eau sur un canard. Pour moi, j'ai trouvé que cette vie-là, si c'était à refaire, moi, je le ferais de la même façon. Même chose. Absolument la même chose. Parce que si j'ai eu une réussite dans ma vie de forestier, si je n'avais pas eu la femme que j'ai aujourd'hui, je ne pense pas que j'aurais été capable de réaliser mon rêve. Ça se passe demain. Ça, c'est ma conviction. Parce que je l'ai marqué, moi aussi, dans mes voyages. Il n'y a pas d'erreur. Était-ce femme ou bien rivière? Était-ce la vie à la mort, mêlée ainsi que l'âme au corps? Laquelle parlait la première? C'était la femme et la rivière, et l'eau mêlée à la lumière, et l'amour mêlé à la mort. Ils ont dit que c'était une fille, moi je dis que c'était la manie. L'œil en feuille et la dent de coquille, telle était la manicoutée. C'était plus haut que la plaine, il fallait pour aller là. La patience et l'aviron et connaissance de la chute, du portage et du courant. Où est comment l'eau culbute les oreilles du charru et l'eau morte et les cirés, les cormorants et les écumes. Veille à gauche et veille à droite, à la pincée au ballon, sans vouloir te commander. Tiens-toi bien, puis laisse aller. Pas grand eau, mais c'est assez. Dire qu'à l'eau douce, on finit par dessaler. Et ça, c'était...